Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire de voyage astral. Alors, j'ai déjà parlé de ce voyage astral dans des vidéos précédentes, comme celle, il me semble, sur les dangers du voyage astral, mais vu que ça a été une des sorties astrales les plus complexes à laquelle j'ai dû me confronter, et il me semblait donc logique de la mettre à l'intérieur de cette série de vidéos. Donc, je me retrouve à léviter au-dessus d'un désert, d'où sort légèrement du sol une énorme structure en métal. Je décide donc de descendre et de rentrer à l'intérieur de ce bâtiment. Et je me retrouve dans un long couloir avec des portes et des murs en métal. Une fois à l'intérieur, je me sens guidée vers une porte en particulier que j'ouvre. Et je me retrouve dans une pièce nez à nez avec trois personnes. Alors, deux d'entre elles sont des êtres humains, ou du moins des êtres qui ont une apparence humaine, et une troisième que j'avais identifiée à l'époque comme reptilien. Et tous les trois sont en habit militaire vert kaki foncé. À ce moment-là, les deux êtres humains courent vers la porte et sortent de la pièce en courant. Je me retrouve donc seule en face du reptilien qui me demande ce que je fais ici. Alors j'essaye d'éluder sa question en lui demandant ce que eux sont en train de faire ici. Et en posant cette question, en réalité, j'ai tout de suite la réponse. En fait, derrière lui se trouve une baie vitrée qui donne sur une immense pièce. Dans la même pièce se trouve un énorme ordinateur avec plein de boutons et des manettes. Et je comprends que je suis dans la pièce de l'ordinateur central de cette base, et qui sont en train de faire des expérimentations sur le contrôle des ondes cérébrales humaines afin de créer un dispositif qui puisse manipuler l'esprit humain afin de générer ou d'arrêter des conflits ou des révoltes sur la Terre. Alors, me rendons compte de la dangerosité de l'existence d'un tel dispositif, vu le niveau de conscience de l'être humain en ce moment, je demande au reptilien, d'un ton extrêmement autoritaire, que je ne me connais pas d'habitude, de me faire immédiatement rencontrer la personne qui commande la structure. À cette même demande, je sens que cet être prend vraiment peur, et sentant cette peur émaner de lui, un sentiment de pitié et de compassion m'envahit, et en voulant en quelque sorte l'apaiser, je m'approche de lui pour le serrer dans mes bras et je décide d'émaner de l'amour inconditionnel et de le lui transmettre pour le calmer en fait. Mais comme je l'avais expliqué précédemment dans une autre vidéo, à l'époque, j'étais à mes premières armes en ce qui concerne ces missions, disons, dans le bas astral, et je n'avais pas du tout conscience des capacités et du pouvoir d'émanation que j'avais. Mais surtout, je ne savais pas que s'il y avait trop de différence entre deux niveaux vibrationnels, entre deux êtres, dans ce cas-là, l'être qui vibre à une fréquence beaucoup plus basse risque d'être désintégré à cause de la trop haute fréquence. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai pris cette espèce de reptilien dans mes bras et que j'ai émané cette vibration d'amour inconditionnel, c'était beaucoup trop fort pour lui. Et en fait, je l'ai fulminé. Il s'est littéralement désintégré entre mes bras. Et j'ai vraiment été choquée. De ça parce qu'en fait, sans le vouloir, à cause de mon inexpérience, j'ai tué quelqu'un. À ce moment-là, j'ai senti que tous les êtres qui se trouvaient à l'intérieur de cette base ont commencé à s'agiter et que d'ici à quelques minutes, je me serais retrouvée des dizaines de personnes sur le dos. Mais avant de m'enfuir, ce que je voulais absolument, c'était détruire l'ordinateur central afin de les empêcher de travailler et de développer ce système de contrôle. Alors, je tiens tout de même à vous dire que ça n'a pas du tout été une bonne idée et que ça n'a pas du tout non plus fini comme je le pensais. Et d'ailleurs, ça montre vraiment que j'étais
inexperte en la matière. Je me suis donc dirigée vers l'ordinateur central sur lequel j'ai posé mes mains et grâce à l'énergie qui sortait de la paume de mes mains, j'ai décidé de faire exploser l'ordinateur. Mais là aussi, ne sachant pas doser la puissance de cette énergie, au lieu de simplement faire exploser l'ordinateur, c'est toute la structure qui a commencé à exploser et à s'écrouler. Un peu comme lorsque vous faites tomber le premier domino et tout ce qui suit s'écroule les uns après les autres à leur tour. Alors voyant que tout s'effondrait autour de moi et me sentant responsable, bien sûr, de ce désastre, mon corps astral a commencé à s'élargir et à prendre la forme d'une énorme voile, un énorme filet, et j'ai balayé toute la structure en ramassant les personnes qui se trouvaient à l'intérieur et je les ai ensuite posées, je les ai ensuite poussées, pardon, vers l'extérieur du bâtiment. Je me suis alors retournée et j'ai dû malheureusement contempler l'ampleur du désastre. Au milieu du désert, là où se trouvait la base, il ne restait qu'un énorme trou. Mon corps astral a commencé à se lever vers le ciel, sans ma volonté, et j'ai été rappelée dans mon corps où je me suis réveillée. Alors, je voulais maintenant analyser cette sortie de corps avec vous. Donc, en premier lieu, j'ai découvert pour la première fois la puissance de l'amour inconditionnel et des conséquences qu'il peut avoir entre les mains d'une personne immature comme je l'étais à l'époque. Bon, même maintenant, je le suis encore un petit peu. Mais là aussi, on y travaille. J'ai compris aussi que l'être humain n'est pas isolé et que beaucoup de choses se passent sans que nous en ayons conscience. J'ai aussi pris conscience, à travers cette expérience, du potentiel que j'avais et que j'avais également beaucoup de travail à faire avant de pouvoir l'utiliser correctement. J'ai aussi compris qu'une partie de moi savait très bien ce qu'elle faisait et pourquoi elle le faisait et que bien souvent j'avais très peu mon mot à dire ou du moins la partie humaine identifiée comme Gwenaëlle n'avait pas acquéri assez de conscience pour avoir son mot à dire dans ce genre de situation. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente du château gothique, j'ai remarqué que très souvent quand j'allais en astral pour faire ce genre de travail, entre autres, un autre bout de ma conscience que je suppose supérieure s'intégrait à la mienne pour pouvoir faire le travail que j'étais appelée à faire. Le problème, bien sûr, ont été ensuite les conséquences de mes actes. Alors, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur les dangers du voyage astral, j'avais expliqué que pendant une semaine, ne pouvant pas s'attaquer directement à moi pour me faire payer le désastre que j'avais fait, bien sûr, ils s'en sont pris à mes appareils électroniques et électriques en les faisant simplement exploser. Enfin, ils n'ont pas vraiment explosé, disons qu'ils se sont plutôt fulminés. Donc vous pouvez imaginer que la liste de tous les appareils qui se trouvent dans une maison est assez longue. Donc j'ai eu le téléphone portable, la télévision, le four à micro-ondes, le four, le frigo, bon ensuite tous les petits appareils ménagers et enfin bon, je dirais que c'était de bonne guerre. Donc voilà, j'espère que ce récit de voyage astral vous a intéressé et vous a peut-être apporté des éléments nouveaux par rapport à ce que vous faites. Pour aujourd'hui, c'est fini, mais si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires qui se trouvent en dessous, toujours en utilisant, s'il vous plaît, des termes appropriés et respectueux, bien sûr. Si en revanche c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos et que son contenu vous a intéressé et que vous voulez être informé de mes prochaines publications qui ont lieu tous les 15 jours, donc une vidéo toutes les 15 jours. Alors oui, je sais, c'est très peu pour un canal YouTube, mais je n'en vis pas et je n'ai pas l'intention d'en vivre pour
Donc pour moi, ce rythme-là va très bien parce qu'il faut du temps pour pouvoir faire ce genre de vidéo. Donc si vous voulez être informé, il suffit de vous inscrire au canal et de cliquer sur la petite cloche qui est à côté. Je tiens également à remercier tous ceux qui me suivent et qui m'envoient des messages sur la page Instagram en privé. Donc je vous remercie tous pour vos encouragements. C'est vraiment très gentil, je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est vrai que pour quelqu'un avoir juste une centaine d'abonnés, c'est très peu, mais comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, déjà si j'arrivais à 20, pour moi c'était un miracle. Voilà. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et l'on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao !